Et je suis ravi d'accueillir une guest star sur la chaîne aujourd'hui, qui vient de passer tout juste sa carte verte. Il est membre du golf de Bellefontaine. Et puis, je suis ravi de faire cette première partie officielle avec toi. Et tu vas me présenter ton petit jardin, ton parcours que tu connais un tout petit peu. Ah oui, c'est mon jardin. J'ai appris à golfer ici. Et ben voilà, je vous emmène golfer au golf de Bellefontaine, sur le parcours rouge, avec mon ami Olivier, la nouvelle carte verte. Et là, on est sur le trou numéro 1, on va s'apprêter à jouer. Donc, c'est parti pour une partie de golf entre amis. Montre-nous la voie. Donc, un par 4. Combien t'as dit en distance ? 264 depuis les jaunes. Joli, 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 joli. Ça part un petit peu à droite. Ça rebondit. Tu vas être à droite. Et je pense que sur le fairway, ouais. Tu sors un petit peu du fairway. À la limite. Ouais. Je vais t'aligner avec le drapeau. T'as aligné sur le sapin, chouille à gauche. Elle est bien, elle revient, qu'elle prenne bien la butte. Donc elle a pris la butte et le rebond. Normalement, je suis bien. Je devrais être en approche de green. Je suis trop content. Allez, c'est parti, venez. Très joli. Quel bonheur, regarde-moi ce temps. Ouais, il est magnifique le parcours. C'est vraiment un magnifique endroit. Et puis mettre de belles balles pour commencer. Je suis ravi de partager cette partie avec toi, mon cher ami. Pareil, depuis le temps. Alors, elle doit être juste tu par là. Tu dois être en bordure, là, vers avant le sapin. Eh bien, je la vois, elle est juste là. Alors, faire 9. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ah, ça va être long. Dommage, c'est sorti derrière. Il me reste une petite approche à faire. Alors, j'ai eu un beau rebond ici, j'imagine, pour arriver jusque là. Combien il faisait le trou de 200 ? 264. Putain, j'ai tapé un 200... Bon, 240, 250. 220, 230, ouais. Alors, il faudrait que je la lève un peu. Mais je soupçonne qu'elle va rouler quand même devant. Ou je la fais rouler. Je la fais rouler. Allez. Oh là 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 là. C'est pas mal, hein. Ouais. Elle est partie un peu à gauche. Non, j'en suis très content. Eh ben, ma balle est pas trop mal. Elle est juste là. Ça, c'est pas les coups que j'affectionne tout particulièrement. Ah, c'est pas mal quand même. Allez, sur le green, deux balles sur le green. Sachant qu'Olivier vient de passer sa carte verte. Donc, c'est ton premier vrai parcours de golfeur. Jusqu'à maintenant, tu étais en apprentissage. Tu veux le drapeau ou pas le drapeau ? Non, on va le laisser pour l'instant. Vas-y. C'est bien fait, ça. C'est très bien fait parce que c'est donné. Allez, pour le bruit, je te laisse la mettre, mais je le donne. Allez, je t'enlève ça. Tu le veux, non ? Non. Enfin, oui. Bon. Joli. Allez, moi, je veux un birdie. Ah ! Putain, et je me la donne pas. J'ai pas testé les greens. Joli. Okay. Allez, un par. Ça aurait pu être... Mais un par. Allez. Par et Boguet, c'est plutôt un bon départ sur ce trou numéro 1 du parcours rouge de Bellefontaine. Le trou numéro 2 se trouve là. Et vous allez voir, il est spectaculaire. Allez. Donc 4 pour toi et 5 coups pour moi. C'est ça. Très joli, mon ami. Donc le trou numéro 2, en fait, il est spectaculaire. Parce qu'il plonge là derrière. Il tourne et les rebonds vont ramener toutes les balles à gauche. C'est un de mes préférés. Ouais, c'est vrai. Très joli. Ouais. Alors c'est un par 4. Et départ des jaunes, on est à 302. 302 mètres, ok. 302 mètres. Alors, elle est partie un tout petit peu plus à gauche, mais elle est pas mal. Et j'ai le rebond, ok. Et on a sur le fairway. Le rebond est propre. Elle est très belle. Ouais. Mais écoute, Stan, c'était très très beau. J'en suis très contente de ma balle. Allez, Olive. Oh la vache! Mal. Oh, magnifique, Olivier! Je vais pas être loin de la tienne, elle revient un peu. Ah, tu vas même être mieux placé. Alors, toi, tu es revenu plein milieu du fairway. Tu étais aligné sur la cible là où je voulais. Bravo! Ah ouais, magnifique! Descente à la Marine Gals, attention à ne pas tomber. Ah, mais c'est magnifique! Alors, on a des couleurs. La balle de Stan juste à gauche.
et la mienne juste à droite. Okay. La balle de Stan, la mienne. Alors, il me dit 140 mètres à l'arrière du green, ouais. 125 pour le drapeau, 115, 115. Et moi, j'ai changé mes distances. Tu joues à quoi, toi, là? Je joue un fer 9. Ouais. Normalement, 115, c'était... Un 7. Un 8. Oh! Elle n'est pas bien alignée. Oh, c'est pas mal, ça, dis donc, elle est bien touchée. Et regarde, t'es devant le green. C'est pas mal. Approche putt. Voilà, il est juste là, mon biquet. Il va rentrer. Donc, t'as, voilà, une approche. Approche putt à faire. Et moi, je suis... Alors, hauteur de drapeau. Alors, petite approche à lever. Il y a une descente, il y a à monter. Les greens sont quand même durs. Ça roule, oui, ça roule, ça roule, ça roule. Stop, 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 stop. Ah non. Ah, je me suis fait avoir, ça roule. Ils doivent rigoler les gens derrière leur écran là. Ah bah du coup, tu t'es fait avoir. Voilà, du coup, j'y suis vraiment pas allé fort. Vas-y mon biquet, tu peux jouer. Eh ben j'y vais. Ah, j'ai eu peur de la trace là. Ah. Eh dis donc, on se la donne pas là. C'est quoi ce boulot? Ah. Ah. Hop. C'était honte. Je suis tellement content de jouer avec toi que j'en fais. Non, non, j'allais dire que j'en fais des merdes, ça n'a rien à voir. Mais là, 1, 2, 3, 4. Bon, superbe drive tapé, mais c'est parti un peu en live. On va se reconcentrer, on va se remobiliser. Trou numéro 3, vous allez voir, il est aussi bien particulier. Alors, nous sommes sur le trou numéro 3, sûrement le plus technique du parcours rouge. Il est balèze. Parce qu'il y a une grosse montée à la fin pour aller chercher le green. Il y a de l'eau à droite, là. Il y a de l'eau à droite. Il y a la petite cabane, l'arbre. Il y a des oies. C'est un par 5 et là on est à 407 mètres. Ah. Écoute, elle est tendue, elle revient, elle va être bord fairway, elle roule. Bon bah c'était pas très beau. Dit commercial, mais voilà. Alors elle n'est pas super super puissante, mais je serai sur le fairway logiquement. Allez, direction the fairway. Ça me dit pas où est ma balle tout ça. Ah, je la vois. Ouais, je suis pas mal, en fait. Alors, voilà, mon petit biquet olive. C'est un 7. Le but, c'est de me rapprocher de la montée. Ah, mince. Ah, dommage. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. Oh bah, j'ai fait pire que toi. Aïe, aïe, aïe. Pire que toi, parce que je suis allé dans les arbres, dans les... Ouais. Oh bah mince, ça commençait si bien cette partie. Allez, tu vas être bien mieux placé que moi. Donc, on refait la même avec plus de succès. Ah, oh, quel dommage. On aurait dû faire ce trou en scramble. Qu'est-ce que l'on fait quand on arrache de la pelouse? Eh ben, on la remet. Et on la fume pas. On replace, c'est dit. Ouais. Il est interdit de fumer le fairway. Voilà. Donc on joue pas très bien, mais on a de l'humour. C'est principal. Allez, zoom. Moi, j'ai cherché ma balle dans les roseaux là-bas. Alors. 1, 2. Voilà mon biquet. Quatrième coup déjà. Oh là là. Ça va vite dans le golf. Joli. Bah voilà. Très beau ça. Tu vas être devant la montée. Très très bien. Oula, oula, oula. Alors voilà, je suis allé me foutre là-dedans. J'avais dit que c'était un lay-up. En fait, non, c'était un coup de merde. C'est pas pareil. Je sais pas comment jouer ça. Hein. Oh putain, la galère. Ça te fait marrer, hein?
Oui, ça me fait rire. Je vais me prendre une dose, mais c'est clean quoi. Ah, je suis désolé. Je vais me prendre une dose par une carte verte. Ah voilà, je suis sorti. Oh la misère. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ben, j'ai comment plié un trou. Ouais. Toi t'es placé devant, je vais mettre un petit coup pour être avec toi devant. Hein. Voilà. Et revenir dans le game. Tu connais la différence entre stroke et Stableford? Je la connaissais. Ah! Maintenant que le quiz de la carte verte est passé, je veux bien que tu me rappelles la définition. Stroke play, tu comptes tous les coups, sans exception. Ouais. Et Stableford, ah oui, par rapport à ton index. D'accord. Donc là, par exemple, en Stableford, on aurait presque pu mettre une croix, que c'était pas gênant. Alors qu'en stroke play, il faut tous les compter. Vous le voyez pas, mais le drapeau, il est juste dans l'axe là de l'arbre. L'arbre, il est à 60 mètres, le drapeau, il est à 98 mètres. J'ai sorti un 52, moi. Comme c'est en hauteur, et puis on va voir. Hein. Ah, elle est bien. Joli. Alors, j'espère que je vais rattraper mes coups pourris. Allez, mon biquet. Donc, le cinquième. Au sandwich, pour moi. Ça a touché, ah, elle a rebondi, ton rebond était pas beau. Allons voir ça. Toujours prendre le chemin le plus court. Qui a dit que le golf n'était pas un sport? C'est pas faux. Et mon biquet. Bon, sixième se coup. Se trouve là. Allez, allez, allez. Oh. Ah, il manque le petit supplément d'âme. Allez, vas-y. Allez. Oh, c'était bien fait ça. Un petit peu long à moi. Alors, mon pitch là. Ça c'est fait. Ouh. Ok. Bah, dis donc, c'est beau ça. Ah. En fait, j'ai eu peur de ta balle. Alors, je vais me consoler sur ce trou en me disant que je n'ai fait que deux putts. Joli. Bon, bah, joli. Ça sera 8 pour moi. Bon, bah, c'était un trou cata, ça arrive. On va compter en Stableford, on va dire que ça fait pas de points. Allez, trou okay. Suivant, ce sera le 4. Il est annoncé à 124 mètres? Il est annoncé à 124, ouais. En descente? Sauf qu'en descente, ouais, en cuvette. Ah, quel dommage de gratouiller, ça descend, oui. Pas oui, de sensation là. Bon, ça va revenir. Ça arrive, après on casse un peu le rythme. Pas mal. Mais écoute, je me suis entraîné aux fléchettes. Une fléchette. Ce sera beau. Ah, je suis content. Bon, à l'arrière du green quand même, un tout petit peu long quand même. Olive a eu une balle un petit peu malheureuse. Est-ce qu'elle est restée là-dedans? Où est-ce qu'elle est descendue? Bien ça. Allez, devant le bunker. C'est bon. Mon loup, voilà, un petit sandwich, t'es là. C'est bien ça, regarde. Ça a passé comme il fallait. C'est joli. C'est joliment fait. Voilà comment rattraper. Mauvais départ n'empêche pas le par. Moi, j'ai un pitch arrière de green. Ma fléchette. Très content. Allez, vas-y. Oh, c'était bien fait. Enfin, c'était bien fait. Bon, ça me fera le part. Ok. Moi aussi, ça me fera le part. Allez, vas-y. Là, tu t'alignes sur le oh, quel sur dommage. L'ombre. Quel dommage. Alors, nous sommes sur le 5, le trou numéro 5. Le 5, un par 4. C'est un par 4, départ en fait, des jaunes, 333 mètres. L'eau se trouve là, il y a un virage et le green va se trouver derrière là-bas, ouais. ce bosquet, mais avec des rebonds, des trucs un peu techniques. Tu lances la manœuvre ou tu veux que je lance la manœuvre? Allez, je lance. Allez, vas-y.
Écoute, elle va passer le rebond. Tu reviens sur le fairway. Reste au milieu. T'es plutôt bien placé, Bon. mon petit loup là. Allez, Awam. Awam, Awam. Attends, je vais pas jouer ta balle. Yeah. Alors, elle est bien dans le ciel. Sera-t-elle longue ou pas longue? Eh ben non, elle est très bien. Reste, reste. Allez, je suis au piquet là-bas Elle est bien montée, hein. au 135 mètres. Ouais. Elle est plutôt pas mal. Je suis content. Mon petit piquet, regarde nos balles comme elles sont belles. On va faire dans la précision quand même. Alors, le green, il est en montée là. Alors, oh putain, il reste de la distance. Le bunker qui se trouve à droite, il est à 164 mètres. Celui de gauche, il est à 171. Voilà, très bien ça. Pas mal. 30, 40, 50 mètres. Et sans se mettre en danger au moins. Ça me va. Bah ouais. Voilà, et bah tu vois, c'est bien quand tu annonces un coup et que tu fais le coup. Parce que tu veux regarder ta Oui, distance. laisse-moi le faire, Vas-y. oui, moi je préfère. Vas-y. 45 mètres. C'est bien fait ça. Hop, il te Ah! manque le Hop! petit chaume de Non! supplément d'âme. Il manque pas grand-chose. C'est Le vraiment petit dommage. supplément d'âme, c'est joliment dit. Donc toi, t'avais, moi je vais avoir un petit 25 mètres là. Je vais lever la balle. Et ben, je vois pas d'ici combien il me reste, mais je Mais dis que ça c'est sent une très belle, bon. ça sent bon l'approche putt. Ah! Ah, il manque le petit chouille. Alors c'est pas grand-chose. Je suis très timide hein, sur ça. Attends, regarde, je marque. Donc, Donc, 1, 2, 2, 3, 4. Tu 4. peux encore faire du score, hein? Ouais. Regarde. Bon. Donnez. C'est vrai? Bah oui. Oh, t'échoues. Bah oui, bien sûr, Cet donnez. homme échoue. Golfer avec lui. T'enlèves le drapeau? Non, je vais le garder. Finis ton putt si tu as envie. Ah oui. Ou marque comme tu veux. Allez, je le finis. Ah. Ah! Allez, je te le donne. C'est donné, attends, ça Oui, là, oui, donc un bogey. va. Oui, Et moi? bogey. Et double, je crois. Un, deux, trois. Mais en fait, ce que tu as, c'est Un. un petit détail maintenant. Ça va être d'apprendre des petits coups et des Ouais, c'est distances. ça. Bah oui, on ne peut pas C'est le plus tout dur. apprendre dès Ouais. qu'on passe sa carte verte. Mais pour un joueur qui est 54, qui vient de passer sa carte verte, non seulement tu joues bien, mais en plus, c'est un plaisir de jouer avec toi. Ouais. Tu me Voilà. fais rougir, Stan. Donc, on a dit, celui-là, c'est le numéro 6. 6. C'est un par À part 3. 3 de 150 mètres annoncé au drapeau, au milieu de green. Tout à fait. Ok. Je dédie ce coup à Alexandre et Charlie. Les deux enseignants de Bellefontaine. On va Vas-y, voir t'as le si vous droit. avez fait du bon travail. T'as le droit. Ah! Ouais, pas à droite, ça touche l'arbre. Ça roule, tu vas être sur l'autre arbre là-bas. Ouais, Mais je la écoute, vois. c'est en jeu quand même. Moi, je fais une dédicace au greenkeeper. Allez, reviens. Voilà, et ce que je voulais, c'était que le rebond l'amène sur le green. Après, j'ai peut-être été, je ne l'ai pas bien touché, je suis peut-être courant. Mais je suis en jeu. Ah, tu seras peut-être dans le bunker, toi. Que je vais être dans le bunker, c'est la question. Ça me chatouille le cou. Oh, c'est bien fait ça. C'est bien fait. Ah, je pensais qu'elle roulerait plus. Oh. Eh oui, mais tu vois, il manque Ouais. le petit chouille. Ah. Oh, il manque le petit chouille là. Olive. Stan. Petit manque de lucidité, on dirait, non? Ah oui, tu m'as promis une barre de céréales, j'en ai toujours pas vu la couleur. Ah, il lui manque aussi le petit supplément.
Hop bon. Là. Bogey. Ouais, ah là là, c'était une histoire de pente. Allez, donnez. Je la termine quand même. Bah oui, pour le bruit, le plaisir, t'as raison. Allez, je te propose une petite barre de céréales parce que je sens le coup de fatigue. Donc un par 4, au départ des jaunes, on est à 312 mètres. 312 mètres, avec 312. Tout le fairway là qui descend et qui va ramener les balles de gauche à droite. Ok, donc elle a bien roulé. Bien joué Stan. Jusqu'à la droite du fairway. Oh, c'est joli ça. Dis donc, regarde comme tu roules. Et tu m'as même, tu sais quoi, tu m'as overdrivé. C'est l'effet barre de céréales. Tu vois? Ah, qui est parti trop à gauche, je pense. Elle était bien, mais alors je sais pas si je serais fairway. Je crois qu'il y a un bunker là-bas. Au sandwich. Ça, c'est pas mal du tout. Et elle rentre sur le green. Il manquera après un petit chouille, mais joli, t'es sur le green. Bon. Très bien, mon biquet. Ça, c'est fait. Où es-tu? Je dois lever. Ouais, je dois lever. Et j'ai pas beaucoup de place pour atterrir. Stop, 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 stop. Ah, tain, ils sont durs les greens. Hein. Alors, quatrième coup pour le drapeau. Tac. C'est bien ça. Oh là là, ça roule un petit chouille, ça paye pas. Aïe, aïe, aïe. À toi, mon ami. Très, très joli. Ah, il manque le petit chouille quand même. Et je me... Ah putain, je me donne pas le bogey non plus. Hein. Rentrer, mais... Ok. Bogey. Bien. Oui, t'as eu chaud aux fesses. Sueur, là, hein. T'as eu chaud aux fesses. 8 et 9 et on va se faire une petite bière. Allez. Ah oui. Sur l'avant-dernier trou du parcours rouge, le numéro 8. Donc départ des jaunes, 328 mètres. 328 ? Ouais. D'accord. Ça, le trou fait une sorte de L. Un dogleg. Un dogleg, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Un dogleg, bon. Un dogleg droit. Donc j'hésite, soit je me la joue en mode j'ai pas peur et je coupe en diagonale au-dessus du champ et des arbres pour essayer de la mettre en plein fairway et me rapprocher du drapeau. Soit je la joue tranquille. C'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais après tout. Mais ça se tente. Il faut faire le spectacle. Alors, la communauté a besoin de spectacle. Je sens que t'es chaud pour faire le spectacle. Fais donc le spectacle. Allez, c'est parti. Oh, joli ça. Si elle touche pas les arbres. Alors, j'ai pas vu le rebond. Mais t'es pile sur la ligne. Ah, t'es tellement sur la ligne des pas arbres vu le rebond. Là. Que si elle prend pas le rebond, t'es monté, tu ouais. T'es coupé. Tu t'es vraiment coupé le trou. Et regardez comme il est capable de jouer. Alors, moi, elle s'échappe. Je pense qu'elle est passée. Là, allez, on va aller voir ça. C'est tout un de peu suite. La grande surprise. Hein. Oh là là. Pour nous deux. Parce ouais. Qu'on les a pas vus. Non, non, toi, c'est passé parce que tu étais le long du fairway. Moi, j'ai pris après le virage. Là, c'est... J'ai été bête. Tu vois le vent. Ouais, mais tu vois, la question. C'était quoi ta balle? Est-ce que c'est pas foutu dans les arbres? Ah, c'était quoi ta balle? De l'autre côté. Ça, c'est claqué. T'es droit comme un i. Et bah écoute, approche peu de derrière. Ouais. C'est très très bien ça. Voilà. Joli. Allez-vous. T'es devant le green, toi. Pareil, on se fait un petit coup sans patoche. Ouais. Ensuite, on fait le 9. Et ensuite, on boit une bière. Et bibine. Ça te va? Ça me va. Nos deux balles sont là. Le green, lui, est là. Le drapeau est à, je te dirais, une trentaine de mètres. On pose ça au drapeau et on n'en parle plus. Ça te va? Ça me va. Ben, ce sera pas au drapeau déjà. C'est super court, n'hésite pas à y mettre. Hein. Je me suis fait avoir. Oh!
Ah, du coup, j'ai peut-être dit, hésite pas à en mettre, mais pas trop non plus. C'est de ma faute. Oh, remarque, ça va en fait. Puis t'as vu ce temps, ni trop chaud, ni trop froid. C'est magnifique. Ah, mais c'est le rêve. C'est le rêve. Mais un, le un peu vent frais, est pas gênant. Il y a du vent, ouais. Mais ce soleil. Allez, essaie de rentrer une petite approche. C'est vraiment génial. Parce que je me voyais plus proche que ça quand même. Il est temps que la bière arrive, je crois. Elle va au drapeau et on n'en parle plus, d'accord? Pas super bien touché celle-là. J'ai entendu la caméra s'arrêter. Ça m'a perturbé. Quelle caméra? Ouf, joli. Deux potes. C'est toujours ça. Allez mon biquet, moi je veux une bière. Allez biquet. Ouah, joli, donnez mon loup. Donnez, donnez, allez, il nous reste le 9. Hop là. Alors le trou numéro 9. C'est un par 5. Un par 5, départ des jaunes, 431 mètres. Donc autant vous dire qu'il faut bourriner. Il est assez droit, ça descend, c'est une cuvette, et le trou est défendu par deux bunkers. Allez, ça c'est une belle description, avec vue sur le bar. Tu veux pas dégager le drone là? Non. Ah, si tu le shootes, je t'offre le repas. Non mais tu déconnes. Non. Putain. Parce que là, il est vraiment dans... Non, non. Bien ça. Hop, a roulé, elle a pas pris le vent, elle roule, elle roule, elle roule. T'as fait un beau contournement. Passe la petite bof. Un beau contournement de drone. De drone. On a inventé un nouveau jeu. Ça c'est une belle mine, bien bien droite. Allez, on remballe. Je sais pas s'il y a un attendent. Bunker ou pas. Mais elle était bien en jeu. Ok. Je suis grippé court. Elle est sortie, elle roule, je vais être dans la descente. Dis donc, on est tous les deux au même endroit. Hein. C'est vrai, encore une fois. C'est un beau bruit. Dans le ref. Ref? Allez, ok. Bunker. Ça, bunker ou pas? Oh, non. Juste avant. Ok. Je la voyais. Je pense que le drapeau est encore un peu long. Oh là là, ça s'égare. Oh, ça sent le la fatigue, Olive. Hein. Ah oui. Je viens de prendre la jumelle. Il reste 85 mètres pour le drapeau. Il est en hauteur. J'ai sorti mon 52. Elle est belle. Je pense joli. Qu'elle est... Oh, drapeau. Pas au drapeau, allez, au moins sur le green. Allez, allez. Petit putt, une montée, un break. Ah, il manquera le petit chouille. Il manquera le petit chouille. Ah, il manque le petit supplément d'âme aussi, dis donc. Allez, je la rentre d'ici. Vas-y, Joli, c'était en plus annoncé. Bravo. Bravo, bravo, tiens. Ça a été un grand plaisir, mais immense, de partager cette partie avec toi, mon petit loup, qui vient de passer sa carte verte. Je suis ravi de l'avoir emmené golfer en vidéo. Faut pas oublier un truc, hein, la vidéo, ça met une petite pression à chaque fois. Et Olivier a accepté de jouer le jeu. C'est bien mon biquet, t'as fait une vidéo pour ton premier parcours officiel de golfeur depuis que t'as ta carte verte. Ah oui. Je suis ravi d'avoir partagé cette partie avec toi, mon loup. Ben merci à toi pour ton accueil. Ça
Ça a été un régal. À très bientôt à Bellefontaine. Si vous venez golfer à Bellefontaine, il y a des chances que vous voyez le loustic puisqu'il est membre et accro à ce parcours. Là, c'était le parcours rouge. Un vrai régal. Un bijou. Bravo au Greenkeeper. Et puis, on se retrouve bientôt sur un autre golf pour je vous emmène golfer. J'ai deux, trois trucs en tête. Je vous partage ça bientôt. Allez, à bientôt les amis. Ciao.